Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette édition de Midi au Caire, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre à travers laquelle on essaie de vous présenter presque les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours. Très très vite, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, mais après cette petite pause. Commençons donc par les activités présidentielles. Et cette fois-ci, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sissi a reçu le secrétaire d'État américain, M. Anthony Blinken, et sa délégation en présence du ministre des Affaires étrangères, Dr. Badr Al-Ati, du chef de renseignement généraux et de l'ambassadrice américaine au Caire. Le porte-parole de la présidence a déclaré que lors de la rencontre, la force du partenariat stratégique entre les deux États et leur détermination à intensifier leurs efforts conjoints pour y rétablir la sécurité et la stabilité dans la région ont été soulignés. Tout de suite, les explications. Le président Abdel Fattah al-Sissi a reçu le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et sa délégation en présence du ministre des Affaires étrangères Badr Abdelati, du chef des renseignements généraux et de l'ambassadrice américaine au Caire, Hiroun Mustafa Garg. Le porte-parole de la présidence a déclaré que lors de la rencontre, la force du partenariat stratégique entre les deux États et leur détermination à intensifier leurs efforts conjoints pour rétablir la sécurité et la stabilité dans la région ont été soulignés. Dans ce contexte, les efforts de médiation conjoints égypto-américains-qatariens pour un cessez-le-feu à Gaza et l'échange des détenus ont été examinés. À cet égard, les deux parties ont échangé les vues sur les résultats de la dernière réunion de négociation tenue la semaine dernière à Doha et sur les moyens de relancer la situation et de réaliser des progrès dans les négociations en cours au Caire. Outre le secrétaire d'État Blinken, a informé Monsieur le Président des résultats de sa visite en Israël, réaffirmant l'engagement des États-Unis en faveur des efforts d'apaisement et de la conclusion d'un accord, exprimant sa profonde gratitude pour le rôle de l'Égypte et ses efforts constructifs à cet égard. Pour sa part, le président al-Sissi a souligné qu'il était temps de mettre fin à la guerre en cours et de faire appel à la raison et à la sagesse, en privilégiant le langage de la paix et de la diplomatie, mettant l'accent sur le danger de l'escalade du conflit au niveau régional, dont les conséquences seront difficiles à prévoir. De même, le président a affirmé que la cessation de l'effusion de sang doit être la priorité absolue de toutes les parties, ainsi que le cessez-le-feu à Gaza devrait être le début de la reconnaissance internationale de l'État palestinien et de la mise en œuvre de la solution des deux États, étant le garant fondamental de la stabilité de la région. D'autre part, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sissi s'est entretenu avec Mme Amina Mohamed Davis, secrétaire générale des Nations Unies, et la délégation qui l'accompagne, comprenant Mme Elena Panova, coordinatrice résidente de l'ONU en Égypte, et le docteur Mahmoud Mohiddine, envoyé spécial des Nations Unies pour le financement du développement durable. En fait, l'entretien s'est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères, de l'immigration des Égyptiens à l'étranger, docteur Badra Abdelati. Les explications tout de suite. Le président Abdel Fattah al-Sissi s'est entretenu avec Amina Mohamed, vice-secrétaire générale des Nations Unies, et la délégation qui l'accompagne, comprenant Elena Panova, coordinatrice résidente de l'ONU en Égypte, et Mahmoud Mohiddine, envoyé spécial des Nations Unies pour le financement du développement durable. L'entretien s'est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Égyptiens à l'étranger, Badr Abdelati. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a expliqué que la vice-secrétaire générale a tenu à transmettre au président les salutations de Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, et son aspiration à poursuivre la coopération entre les deux côtés, ce que le président a apprécié, saluant les positions positives du secrétaire général dans le contexte auquel la région est confrontée. La réunion a abordé les moyens de renforcer la coopération historique entre l'Égypte et les Nations Unies, notamment dans les domaines de la sécurité et la paix, le changement climatique et le développement global et durable.
La réunion a également abordé la situation dans la région et les moyens d'y restaurer la stabilité, ainsi que les efforts en cours pour parvenir à un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza et l'échange des détenus, et les efforts inlassables de l'Égypte pour y acheminer les aides humanitaires. Les deux parties ont souligné le rôle central de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, étant donné la crise humanitaire dans la bande de Gaza, qui nécessite une prise de position décisive de la part de la communauté internationale. Le porte-parole officiel a affirmé que la réunion a porté aussi sur la situation au Soudan. Monsieur le Président a affirmé la volonté de l'Égypte de parvenir à un cessez-le-feu et de protéger les ressources du Soudan, son peuple frère, ses institutions étatiques et sa souveraineté, mettant l'accent sur la nécessité d'une convergence des efforts internationaux et régionaux pour fournir tous les moyens susceptibles de mettre fin à la crise politique et à la tragédie humaine à laquelle est confronté le peuple soudanais frère. Pour sa part, la vice-secrétaire générale a salué le rôle actif de l'Égypte dans les forums internationaux, notamment aux Nations Unies, et ses efforts inlassables en faveur de la paix et de la stabilité dans la région, afin d'éviter une guerre régionale qui pourrait avoir des conséquences très négatives. Les journaux koweïtiens ont mis en relief la déclaration du président Abdel Fattah el-Sissi, dans laquelle il affirmait qu'il est temps de mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza et de faire prévaloir la sagesse et le langage de la paix, mais aussi de la diplomatie. En fait, sous le titre, el-Sissi affirme devant Blinken l'importance de faire prévaloir le langage de la paix. Le journal koweïtien Al-Ra'i indique que le président el-Sissi a mis en garde lors de son entretien avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken à la nouvelle ville d'Al Alamein le danger d'une extension de conflit dans la région. El-Sissi a affirmé que le cessez-le-feu à Gaza devrait être le début d'une reconnaissance internationale plus large de l'État palestinien, de la mise en œuvre de la solution aux deux États étant le principal garant de la stabilité de la région. D'autre part, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sissi a affirmé l'importance de réduire les durées maximales de détention provisoire et de préserver sa nature en tant que procédure préventive nécessaire pour les enquêtes sans qu'elles se transforment en une peine. Le Président a affirmé l'importance d'activer toutes les alternatives à la détention provisoire en plus de la compréhension, plutôt en prise de la compensation matérielle et morale pour ceux exposés à une détention préventive. Injustifié. Monsieur le Président a ordonné de déférer des recommandations du dialogue national sur la détention préventive et la justice pénale au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour activer leurs recommandations approuvées. Je cite, ma réponse aux recommandations du dialogue national émane de la volonté sincère de mettre en œuvre les dispositions de la Constitution égyptienne et de la stratégie nationale des droits de l'homme. C'est ce qu'a déclaré Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sissi. Dans le domaine économique, le vice-premier ministre pour le développement industriel, ministre de l'Industrie, du Transport, Kamel Al-Wazir, et l'ambassadeur du Japon au Caire, Oka Hiroshi, ont examiné les moyens de renforcer la coopération future entre l'Égypte et le Japon dans les domaines du transport de l'industrie, en plus de suivi de l'avancement des projets communs. Au début de l'entretien, Monsieur le ministre a évoqué la profondeur de relations entre les directions politiques des deux pays, les deux peuples amis, saluant la coopération fructueuse commune dans les domaines du transport et de l'industrie. Pour sa part, l'ambassadeur a félicité le ministre pour son accès au poste de vice-premier ministre, confirmant le souci du côté japonais de faire accroître la coopération avec les ministères du transport et de l'industrie, notamment au vu du grand développement que connaît l'Égypte dans divers domaines. L'entretien a également porté sur la coopération pour la mise en œuvre du projet de la première phase de la quatrième ligne de métro qui s'étend de la ville des 6 octobre jusqu'à la région d'Al-Fustat d'une longueur de 19 km et de 17 stations.
Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Karim Badawi, a rencontré le PDG responsable national des opérations des Petronas Égypte, Hani Ismat, où ils ont examiné le projet conjoint des investissements visant à développer la production de gaz naturel par le biais de deux projets de la 10e phase et de la 11e phase de développement des champs du Delta occidental en coopération avec la société Shell. Petronas travaille actuellement avec Shell dans la 10e phase pour mettre en œuvre le programme de forage en eau profonde afin d'ajouter une nouvelle production de gaz naturel. Il y a un plan clair pour la 11e phase pour développer les ressources en gaz dans cette région. Badawi a mis l'accent sur son soutien au partenariat, la coopération avec Petronas, soulignant l'existence d'une vision claire pour faire face aux défis et pour travailler sérieusement à cet égard afin d'avoir un impact direct sur le soutien des partenariats et le pompage des investissements dans l'industrie du pétrole et du gaz. Pour sa part, Ismat a mis l'accent sur l'importance du partenariat avec l'Égypte à travers des investissements d'un coût de 10 milliards de dollars, soulignant l'importance que cette compagnie attache au partenariat et à la coopération avec les acteurs pétroliers égyptiens et à la collaboration et qu'il y a de bonnes opportunités sur le marché égyptien visant à réaliser des bénéfices mutuels pour les deux parties. Quant au ministre égyptien des Finances, M. Ahmed Kojok, il a présenté un plan global visant à soutenir le secteur pétrolier avec des ressources financières essentielles. La stratégie dévoilée lors d'une récente réunion présidée par le Premier ministre Moussa Faki Mahamat vise à garantir que le secteur dispose des fonds nécessaires pour atteindre ses objectifs essentiels, surtout la fourniture de produits pétroliers et l'atténuation des pannes d'électricité. Le plan donne également la priorité à la rationalisation des allocations financières et au renforcement du soutien aux besoins opérationnels de développement de l'industrie pétrolière. Cette initiative est la pierre angulaire d'efforts plus larges visant à stabiliser l'approvisionnement en énergie et à favoriser une croissance durable au sein du secteur. Parlons donc un peu plus de la culture et du tourisme. Et en fait, on trouve que la Norvège, invitée dans l'heure de la Foire internationale des livres du cœur, cherche par sa participation à cet événement à réaliser un échange culturel avec l'Égypte, à s'ouvrir sur la littérature arabe, selon les indications faites par Shirine Abdelwahab, coordinatrice générale de la Norvège. Dans des déclarations faites aux médias égyptiens, Madame Abdelwahab a souligné que la foire étant l'une des plus grandes à l'échelle mondiale, constituait une occasion importante pour présenter une large collection de produits littéraires norvégiens en Égypte et dans le monde arabe. Notons que la participation de haut niveau à cet événement est une attestation sûre de l'importance de relations bilatérales reliant les deux pays dans les divers domaines. Donc, avec cette dernière nouvelle, nous devons clôturer cette édition de Midi Yoga. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.